Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, donc la suite d'hier. Donc on va aller chercher aujourd'hui les ateliers. Donc comme vous voyez, je me suis un peu déplacé par rapport à hier. Non, ça lag même pas, hein, même quand je mets du frein à main et tout, ça lag pas. Donc on va aller chercher les nouveaux ateliers cachés. Aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécialement fait pour ça. Donc aujourd'hui on va aller découvrir les ateliers un peu cachés, un peu, parce qu'ils sont pas trop cachés. Ceux-là peut-être un peu plus que dans le dernier épisode. Donc on va dire voilà, je débloque quelques petits trucs en venant là en gros. Je vais aller dans chacun pour allonger un peu. Donc voilà, je m'en fous en fait. Tu dégages. En gros, à chaque fois qu'on va débloquer des nouveaux garages, on va débloquer certaines nouveautés par rapport à d'habitude, en gros. Et après, on va comment dire. Ça va. Oula. Ah ouais, vous avez vu. Ça, c'est ce que je dois supporter tous les jours. Non, je déconne. Parce qu'en gros, quand je capture pas, ça lag pas. Mais quand je capture, ça lag à mort. Je vous dis clairement, aujourd'hui ça va être une petite vidéo découverte d'atelier à Bacon Hill, si je me trompe pas. Hein. Yes. C'est à Bacon Hill, et j'aime bien cette petite route là en serpentin. Est-ce que ça va laguer? Mais j'ai l'impression que c'est seulement par zone en fait. Il y a des endroits où ça lag et des endroits où ça lag pas. Quand même, il y a une petite baisse quand même. Il y a une petite baisse. Une légère petite baisse. Non, là ça va pas baisser du tout. On est pas mal hein. 20 images secondes, c'est pas mal. Franchement c'est le minimum qu'il faut pour avoir une vidéo plus ou moins fluide. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis toujours avec King Kong Simulator. Donc après peut-être dans la semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, on va faire une petite vidéo ensemble sur notre temps libre, on va dire, parce que c'est vrai qu'on profite, on va profiter un peu du soleil. Et, ouais, mais bon. Donc là, voilà, on va découvrir le nouvel atelier performance tuning en temps réel. Ah, c'est... donc voilà, on va débloquer 2-3 petits trucs par rapport à l'ancien à l'ancien atelier. Donc c'est parfait. Donc on va faire vraiment des étincelles au volant. Beau boulot. Mais si tu veux continuer à gagner, t'as intérêt à maintenir ta bagnole. C'est bien tes droits à faire ça. Ils ont stock de pièces détachées de. C'est passé par le mauvais tuyau. Donc comme vous voyez, on a débloqué le réducteur de poids, le frein et les pneumatiques parce qu'on est venu dans cet atelier. Donc je sais pas encore, je vais peut-être mettre 2-3 petits trucs, mais ce que je voudrais mettre avant tout c'est. Ah bah non. C'est quoi ces transmissions qu'on voulait mettre? Quoi? J'ai moins de réduction. Je passe à 900 euros. À 900 sous quoi. Donc voilà, on va peut-être. Alors c'est à 800? Ouais. Bah, il me semble bien. Alors à la coude, il y a des ateliers qui sont plus chers. What? Ah mais là c'est encore plus cher, je vais aller à l'autre. J'irai à l'autre parce que comme ça j'aurai tout débloqué. Bon, de toute façon, on va pas s'embêter. On va aller chercher, il nous reste deux ateliers, je crois. Un atelier style et un atelier peinture à débloquer. Ça va être très rapide parce que je sais exactement où ils sont, bien sûr. Donc, au prochain épisode, on va commencer à faire les courses de ce niveau. Donc, on aura notre nouveau sponsor. Tout simple, tout bête, hein, ça va pas être compliqué. Hein? Quoi? Non, moi je prendrais celui qui me donne du drift. Bah oui. Bah j'attends le circuit. Ou Street X. Non, mais le truc, c'est que j'y en a que je connais bien déjà. Et il y en a d'autres que je connais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites vidéos. Donc là, on va aller découvrir l'atelier peinture. Et je crois qu'après, ce sera l'atelier style. Donc là, on va débloquer 2-3 trucs. Et peut-être qu'après, on ira de l'autre côté pour aller mettre des améliorations. Donc là, on va débloquer quelques trucs qu'on n'avait pas avant. Hein. Et donc, vu qu'on a déjà tout débloqué, c'est pas mal. Donc comme vous voyez, l'atelier peinture, c'est pas très intéressant, on va dire.
Donc voilà. On a aussi, je ferai certainement un épisode un peu spécial quand on aura fini toutes les courses de ce niveau, on va dire, de ce sponsor et tout. Une vidéo un peu spéciale, pour aller tuner la voiture physiquement, on va dire, esthétiquement, parce que c'est utile, on va en avoir besoin à la fin de la vidéo, quand on en aura besoin, en fait, quand on aura. Quoi ? Bah non, ça me rapporte rien. Mais ça me rapporte rien si j'ai pas le. Si ça me fait pas de différence, le seul truc c'est que j'aurai ça me finira le niveau et j'aurai rempli le contrat avec mon sponsor, c'est tout. Mais après, peut-être une fois qu'on aura fini le jeu, bah, en gros, j'aurai battu le boss et tout, et peut-être que je serai arrivé à 100%, je sais pas. Parce que je sais pas si je vais aller à 100% avec. À ce jeu en fait. Voilà. Donc là, on va aller découvrir l'atelier style. Moi, il n'y a que dans la dernière partie où je sais pas exactement où il se trouve. Mais après, donc. Moi, j'ai que l'atelier de base en fait. Attends, je te signale que j'ai au moins 150 heures de jeu. Peut-être pas 150, mais bien 130 quoi. Avant, je jouais à ce jeu, je me suis baladé seulement. Mais moi aussi. Mais quand t'es bloqué et puis que tu dois améliorer ta voiture, tu les cherches les ateliers. Parce que donc magasin. J'ai plus de porte, j'ai plus rien en fait. Donc voilà, on va aller à l'autre bout là de la terre. Non, je déconne. On va aller blablabla. Il y a du street X, il y a du drift. Il y a du lourd. Je sais pas où c'est que je vais avoir les meilleurs tarifs. À la base, c'est du drift. Mais le truc c'est que le Street X, ils appellent ça du Street Cross. Je sais pas pourquoi. Mais bon, Il est où le GPS? Bon, c'est vrai que mon GPS, j'ai l'impression qu'il est un peu bugué quand même parfois. Ouais, c'est ça, la route, il capte pas. Ouais, mais il me le dit quand il capte pas. Même si c'est rien du tout. Mais heureusement que je connais bien la map parce que sinon je serais dans la merde. Donc voilà, mais surtout n'hésitez pas, franchement je vous dis clairement. Parce que là en gros je vais faire ça parce que. Aïe. C'est pas grave. Je vais faire ça parce que. Comment vous dire ça? Sinon la vidéo serait vraiment trop courte en fait. Je fais ce que l'amélioration moteur ou l'amélioration. Hey, salut mec! T'as entendu parler d'une course avec O'Neill? Il paraît que c'est une bande de nulos plein aux as. Oh, y'a de la course avec O'Neill, mon gars. Si t'es dans le coin, renseigne-toi et fais-moi signe. Ok. Là, on va vite fait se faire ça. C'est quoi ça? Ah non, c'est la deuxième, la vidéo. Putain, j'ai chaud. Donc, voilà aussi, je vous dis clairement, là, franchement, je plus ou moins crève de chaud. Parce que là, comme vous voyez, franchement, faire des vidéos. Là en plus il doit faire pas loin de 30 degrés dehors. Oh, si tu laisses tout ouvert. Là tu vois ça commence un peu à taper. Donc voilà, après j'espère. Ah non, toi t'es pas au dernier toi, il y a combien de personnes tu es chez toi? Étages alors. Donc voilà, on va rajouter qu'est-ce que vous voudriez comme amélioration, je sais pas, ben, qu'est-ce qu'on dit. Merde, je fais améliorer la pousse. Ouais. Il ne reste plus que. Bah en fait il me reste presque tout. En gros, j'ai amélioré NOS. NOS et améliore moteur.
Et là, il est moins cher. Ouais, bingo. Oh, je gagne 10%. Donc, c'est excellent. On va se faire ça tout de suite. Une petite amélioration moteur. Le four, elle est lente, hein, le four. Bah, j'ai encore rien installé dessus. Oui, mais même à la base, elle est lente. Donc, ça me descend 46. Tu connais rien. En plus, elle a la meilleure vitesse en plus. Donc, franchement, ça va être vraiment une très courte vidéo parce que, comme vous voyez, 10 minutes c'est très bien. C'est très très bien. Donc, on va se quitter là avec un petit 360 pas flippé. Non, je déconne. Avec un petit. Non, parce qu'il faudrait que je me prenne une voiture en même temps. Bah, si c'est un autre concurrent qui me compte dessus, c'est plus cool. Donc voilà, on va se faire, on va se laisser là sur cette petite sur ce petit 360 magnifique avec ce petit effet de fumée qui n'existe pas parce que je suis. Hein, ouais, mais eux ils appellent ça un 360. J'appelle ça aussi 360. Donc voilà, c'est vrai que ça serait sympa un petit. Non. Je pensais un truc, mais en fait ça me fait, c'est pas top. Le jeu que j'ai de ce style là, il est nul en fait. Je pensais un truc de Monster Truck, mais c'est pas top ce que j'ai. Donc, Monster Jam. Donc on va se dire à la prochaine. Oh, en plus j'ai du drift juste à côté. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, donc demain, dimanche. On va se faire 2-3 courses tranquilles. Pépère un petit dimanche comme la semaine dernière quoi, en bref, et donc on se quitte là, une petite vidéo tranquille pépère, donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, à demain, ciao, peace.